Salut YouTube, je suis de bonne humeur. Maintenant, tout va bien. Je m'énerverai pas. Je m'énerve pas. Je m'énerverai jamais. Je vais aller avec l'art de Radagon, je vais le défoncer, putain! Il y en a qui font des mots fléchés, ouais. Il y en a qui font Mogwin. Enfin, Mog. Du coup, si je me remets le talisman de Radagon, ça fait juste quoi au niveau du statut? Arme D2 634, d'accord? Équipement. Voyons voir. Arme D2 606. Pourquoi? Que s'est-il passé? Ok. Pourquoi je fais plus de dégâts sans le talisman? C'est trop bizarre. Ce jeu est abusé, mais surtout que là, vu la contrainte que je me suis foutu, c'est clair. Est-ce qu'on le putréfie? Ouais, on va le putréfier. Look at this. Look at this, bro. Go! Équipement. Vite! Mental dash! Ok. Vite. Putain, je suis pas un speedrunner, moi, ça se voit. Ça, je viens, ça, je prends. Hop, ça, je prends. Donc là. Ok. Donc il crée les saignements, je crois. Parce que c'est une grosse daube. Je reprends ça. Je vais lui balancer de l'arc de Radagon, j'en ai rien à foutre. De Radan tout court. Moi je veux. En fait, ce que je veux, c'est faire ça. Vous prenez, les amis. Il est tellement stylé ce boss. Il est tellement beau. Je déteste. Une portée de malade par contre. Ah ! On passe l'attaque. La musique est tellement folle. Pas grave. Je saurai tanker. Oh non, le coup qui devait passer qui est pas passé. Et alors là, il devient méga vénère ce connard. Il a repris toutes ses vies ce gros fils. Et je suis mort. Lui c'est faisable. Lui c'est faisable. Je pensais que je peux l'avoir. Écoute pas le chat, va voir YouTube. Ah, attends. Parce que lui, c'est faisable. C'est quoi? C'est des flèches hantées, ça. Flèche de Trina, accumule le sommeil. Vas-y, tu vas voir ça. Hop, mimique sommeil. Mimique en mode sommeil, vous allez voir ça. Non, ça compte pas, là, pour les morts. Hein. C'est pour juste le géant de feu juge. J'ai plus de flèches de Radan pour aller farm après. Chier. Vas-y, vas-y, putain. Accumule sommeil, là. Vas-y, accumule. Accumule, bordel. Je bois. Pourquoi il tire pas? Il est empoisonné, ça y est. Il
On peut pas le stun? C'est là qu'il faut tanker, mais malheureusement, il dort pas. Putain, mais fais un somme. Ou un petit somme, allez, tu peux le faire. Allez, pense un coup, du con. Putain. Pour la première fois, il est stun. Change d'arc. Plus de soin. S'il allait pas à la P2, ça serait top en fait. Non, tu l'auras pas. Tu crois, Jet? Pourquoi je l'aurais pas? Eh ben... Oh là là. Ok, vous psy, pas de soucis. De toute façon, moi, je vais farmer un petit peu, donc... Comment tu peux esquiver ou empêcher le saignement du début de la P2? Je sais pas, Jules. S'il y en a qui savent, je suis preneur, hein. Il y a une larme à mettre pour contrer son heal. Ok, Farmington, d'accord. Moi, j'imagine que la larme, pour la récupérer, ça doit être super cool. Hop là. Ah, mais je suis bête, il fallait que je meure. Voilà. Sur un arbre, mais je sais plus lequel. Bah, je sais pas non plus. Re-rodez la broncha. Allez là. Vous savez pas ce qui craint le plus, Mog, comme type de flèche, comme type de dégâts? Je peux peut-être fabriquer un pot de gel aussi pour le... Peut-être pour le stun en début de game. Parce que j'avais aidé quelqu'un comme ça, et je l'avais fait moi aussi dans une game. Tu peux l'éviter si t'as une larme spéciale, en fait, je crois, Jet. Alors, voyons voir. Donc là, les flèches, je peux en fabriquer combien? Ça, c'est des qui vont loin. À 120, je peux en fabriquer, ça va. Parce que les pots de gel... je peux pas... Non, je peux pas en fabriquer, j'ai pas la recette des pots. Donc, moi, que je vais tuer avec son pauvre pouvoir. Ah, tu vois, on peut faire ça, alors, ok. Je voudrais pas invoquer en plus pour le coup du multi quoi. On va retenter quand même Mog, hein, un petit coup. D'accord? Je vais juste me fabriquer d'autres flèches, j'en ai 120 là, donc c'est pas mal. Je vais retenter Mog. Hop. Voilà, donc 111 flèches de plus. Et Mog, il est ici. Il est vraiment chaud comme boss. Hein. Mog craint le saignement uniquement. C'est vrai? Tu rigoles? Bah alors j'ai plein de flèches de saignement. Je savais pas. Je suis un cake. Non, je savais pas qu'il craignait le saignement. Parce que du coup, vu qu'il utilise le saignement, je me disais pas qu'il craignait ça, tu vois. Je pensais que c'était le maître du saignement et qu'il le craignait pas du tout. T'es obligé d'y passer du temps, beaucoup de temps, pour récupérer du stuff. C'est vrai, ça, Farmington. C'est clair et net.
Bah écoutez, on va tenter au saignement du coup. Est-ce que... Regardez. Voilà. On va s'équiper de ça. On va invoquer la mimique. Donc elle, elle fera des grands chassés de trucs là. Pendant ce temps, moi, je prends l'arc noir. Et je vais le dégommer. Voilà. Putain, déjà ? Vous avez vu ce qu'il a pris comme dégâts ? Grâce à la nuée de flèches ? Par contre, quand tu reprends des vies, j'ai envie de l'exploser, quoi. Ok, il m'a mis les trois. Franchement, ça peut passer. Putain, ce qui me fait perdre comme vie, par contre, c'est abusé. Le pou. Putain, la mimique, vas-y. Fais un truc, putain. Plus de flèches. Moi, je suis trop loin, fais chier. Elle est morte. Je pense que si on a tous les deux le grand arc. Je crois pas que ça existe non en format vinyle, la BO d'Elden. Je crois pas qu'ils aient sorti des CD hors gros collector. Je pense que si on a tous les deux le grand arc là, ça a l'air d'être faisable. Là c'est mieux. Je pense qu'on peut le dégommer sans qu'il fasse la P2. Bah c'est jouable, c'est jouable. Hop. C'est vraiment faisable à deux là. Il faudrait juste qu'il se prenne, vous savez, un saignement quand il essaye de récupérer ses vis, cette espèce de gros bâtard. Quel tank! Ça me permet de lui faire du gros saignement quand même. Quoi qu'il y a par terre? Ah, c'est du feu! Là, j'ai pris de la magie. Le souci, c'est qu'il vole. Allez.
Je reprends l'arc noir. Trop fort. Putain, il est trop fort. Là, il aurait fallu que je prenne l'arc noir, vous voyez, pour lui faire pam 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 pam. Et bam, DPS. DPS de ouf. Donne combien, lui, quand on le bute? C'est pas 400 000 runes? Eh ben non. Ouais, eh ben non. Roll in. Il y avait du GG quand même. Après, on n'a pas dit que c'était facile la run à l'arc. Hein. Là, j'étais vraiment bien là. Hein. Mais pourquoi on lui foutrait pas de la putréfaction sinon après. Ouais, non, le problème c'est qu'après, la mimique elle aura pas de flèche de sang du coup. La PS ça va. Putain. C'est pour les bits Juju. Juju du sac se déleste de X10 bits d'argent dans les yeux et la bouche. Je prends l'arc noir à voir. Mais roule, Conan ! Et merci à Don. Leaflo, donne Leaflo pour le follow, merci beaucoup, bienvenue. Merci pour ton follow. Ah, il craint pas ce bâtard. Bon bah alors on continue au saignement. Hein. Non mais c'était bien ma technique en fait. Je pense que je vais rester au grand arc. Merci à toi, donne Leaflo, pour le follow. Allez hop, double. Merci Rizou pour le follow, merci beaucoup. Bienvenue sur cette chaîne absolument fabuleuse. Merci pour vos follow, ça encourage pour le coup. On se dit pas qu'on fait tout ça pour rien. Salut Otex Avery, comment vas-tu? Oh ben ça va super, écoute, run à l'arc, Mog, tout ça quoi. C'est la routine. L'enfer sur terre, quoi. Et toi, comment tu vas? Au Tech Savory. Foutre une bonne là. Allez. La mimique elle a tanké un peu. En vrai je pense que c'est faisable mais il faut vraiment que la mimique m'aide en fait. En fait, quand je l'occupe, Mog, l'air de rien, la mimique, elle fait le L1 R1 là. Le L2 L1, R1, pardon. Dès qu'elle meurt, par contre, c'est l'enfer pour moi, quoi. J'ai pas la droit au poney. Je peux sauter.
dès que la mimique décède. On peut l'enfer, quoi. J'ai plus de flèches ? Ah si, c'est bon. Ouais, non. C'était pas mal pourtant, hein. Je pense que je peux l'avoir. Peut-être que la mimique, je l'invoque un peu plus tard et ça passe. Je viens de battre la bête d'Elden après 4 heures de try MDR. Je commence à me dire plus. Ah ouais. Moi aussi, j'y avais passé du temps sur la bête d'Elden. Chuch. Non, j'ai pas eu l'autre, Sakura. Non, j'ai pas eu l'autre. Je vais tenter juste. Ouais, plus tard, je pense, la mimique. Il y a combien de paires de la magie en début de game ? Parfait. Non, la mimique, il faut que je la foute. Non, non. Malheureusement. Vous voyez, sinon je prends l'aggro. Et en fait, c'est la même merde que... comment dire ? C'est la même merde que si je suis tout seul. À la P2. J'ai rajouté la mort, hein. Ouais, c'est bon. Bon, lui, je peux l'avoir, c'est sûr. Il est pas très... Enfin, il est dur, ok, mais on sent qu'on peut l'avoir, quoi. Voilà. N'hésitez pas à follow, hein, si vous trouvez que la run est chouette. Hein. Donc, j'invoque, du coup, avec ça, peut-être. Hein. Ouais. Ok. Je bois un coup. Ouais, ça, si j'avais la bonne fiole miraculeuse... Salut Hakuna Flo. Comment ça va? Ah merde, j'ai plus de magie. Il faut le faire me grid, en fait. Mais mes vies. Pas du tout fait ce qu'il fallait. Ok, je peux l'attaquer s'il te plaît. Je peux l'attaquer s'il te plaît. Je suis proche. Il en est pas mal là, la mimique elle est pas mal. Aussi. Je prends l'aggro. Merci à Crochet. Oh non! Tué par Crochet. Tué par la notif. Oh putain. C'est pas grave, c'est normal, ça le fait. Merci beaucoup pour ton follow, Crochet. Bienvenue. Quelle faute du joueur français. Pas grave. J'étais pas mal, hein. Allez, merde, ça sera sur moi. Et alors, les flèches de sommeil, ça peut pas lui faire mal à lui, là, Jean-Michel. Je vais voir si je me mets proche de lui, ça change rien. C'est débile. Juste qu'on entend mieux le son des flèches, c'est tout. Aïe. C'est la RNG de merde. Il vaudrait mieux mourir maintenant, en fait. Je peux pas récupérer ma magie si je prends pas de fiole, Sakura. Je mets la petite fiole, hop, de boost. Hop.
La musique, par contre, elle est vraiment belle de ouf. Et la mimique est en train de crever. J'en fais peine. Il me faut la perle. Ah ! Il vit. Et merci à Otex Avery pour le sub. Merci beaucoup, j'ai plus de fiole de soin, putain ! Pourquoi pas un arc runique avant le combat ? Prendre un seul dégât. Ouais, ouais. Super. Salut, I'm Monk. Comment ça va? Bonsoir à toi. Merci au Tex Avery pour le sub, merci beaucoup. Prendre un arc runique. Et puis je vais me remettre le talisman de Radagon, hein. Voilà. Un abattre. Regardez ça. J'aurai assez de flèches ou pas? 43, pas sûr. On va tester quand même. Voilà. Équipement, ensuite on va dans l'inventaire. Et on fait ça. Et j'use. Voilà. On prend la fiole de soin là, hop, plein de boost. On fait ça, la flèche de gauche. Je l'ai pas l'entrave de Mog, où est-ce que je peux la trouver s'il vous plaît? Le talisman il me booste tous mes dégâts. Oh non, il a pas le bon arc ce bâtard! Non plus d'ailleurs, j'ai pas le bon arc. Faudrait que j'améliore mon arc. J'améliore mon arc un peu là. Unus. Perdu toutes ces villes à mimiques en un coup, quoi. Et moi aussi. Allez, j'attends que la mimique reprenne l'aggro. Voilà, c'est bon. Et de paix. Ça pète. Mort. Ah, c'est mort. Ah, c'est mort. C'est mort. Ah ouais, l'entrave, elle est dans les catacombes de la capitale. Ah ouais, non, non, c'est mort. Ah, je joue manette, hein, Rizou. Je joue manette, ouais. Salut Blood Warrior, comment ça va? Bonsoir.
On est sur... on se casse les dents sur, sur Mog, là. T'as un mélange miraculeux aussi, normalement, qui neutralise la malédiction de Sam. Ah, les trois cercles. Ouais, c'est ça, Power, c'est le truc de... qui est dans les catacombes, c'est ça. C'est le truc qui est dans les catacombes. Après, ce que je pourrais faire aussi, par exemple, c'était... c'est pas con comme idée. C'est de... comment dire... j'ai oublié. Je voulais dire. Ouais. Pas grave. Alors, Tom, petit oiseau. Je pense que si j'avais pris l'arc runique au bon moment et que j'avais pas fait de la merde, je pense que c'était, c'était largement faisable de l'avoir. Donc on va retenter. Avec un tampax, c'est possible. Je vais me faire augmenter la, la dex, je pense. Ça me fera augmenter mes dégâts. Parce qu'en soi, les vies, j'en ai. Hein. J'ai assez de vie, quoi. Les quêtes, c'était rigolo. C'était pas follow, si ça vous plaît, comme run. Prochaine run, ce sera au bouclier. Et on va passer vraiment des moments super agréables. Ça va être l'enfer, surtout. Ouais. Ah, c'est dur. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, vous savez, ça fait partie de ces soirées de merde. Là, où tu fais ton stream, tu te dis, putain, le géant de feu, je vais l'avoir en first try, j'en suis sûr. Et limite, tu te dis même pas que tu vas faire Mog, en fait. Mais alors ? Du coup, je suis désolé pour le spectacle que je vous offre. J'ai l'impression d'être un gros caca. En vrai, l'entrave peut t'aider. Ouais, mais je me paume dans les catacombes de la... De la capitale, là. Tu sais, dans la prison de la capitale. La quête est pas si compliquée. Ah ouais, c'est une quête en plus, putain, l'enfer, quoi. Pourquoi pas, pourquoi pas. Au bouclier, mais t'es pas bien. Je crois que je l'ai pas eu, là. J'ai pas eu les runes, non, je me suis assis trop tôt. Oh, les boules. Un photon qui tombe. Hop, et là, tu peux t'asseoir. Non, après, peut-être l'arc de l'arbre monde est peut-être pas inutile. Hein. Oh, vas-y. Hop. La run au point bientôt. Ça serait cool. Mais il y a aussi la run pacifiste qui me tentait. C'était le truc où tu y vas qu'avec des invoques. Et tu n'utilises pas du tout de... Tu te bats pas, quoi, en fait. Tu laisses les invoques se battre à ta place. Ce qui peut être très rigolo. Hop là. Hop. C'est un objet à ramasser sur un cadavre, ok. Écoute, si je vois que j'en chie là, après avoir fait ça, et en y allant en plus avec un arc runique, je le ferai, d'accord. Alors juste, je veux checker... Ah oui, c'était ça que je voulais voir. Voilà, c'est l'arc long. Il me faudrait des pierres de forge 7. Sauf que je suis obligé d'aller à... Ah, j'ai plus de flèches. Bon, je level up. Je suis obligé d'aller à Faromazula pour récupérer la perle. Donc je suis obligé de tuer le géant de feu. On y revient. Bon, je vais aller essayer de refaire le géant de feu quand même. Bon, je peux prendre 3 levels. Qu'est-ce que je prends? La dex. Attribut nécessaire à un maniement d'armes avancées. Améliore les dégâts des armes basées sur la dex. Réduit la durée d'incantation des sorts. Atténue les dégâts de chute et vous rend plus résistant au désarçonnement. Ça, c'est pas mal aussi. Pourquoi pas la dex? Run pacifiste chez un autre streamer, c'était très stylé. À Malenia à l'arc, ça va être l'enfer. Hein. Il me faudra la mimique avec des flèches de glace, je pense. Y a pas mieux, hein. Ouais, battre Malenia, par contre, ça me plairait. Bon, je retente Mog un coup, ok. Si j'y arrive pas, je retourne au géant de feu. J'ai plus de flèches, donc faut que j'aille chercher des fleurs. Faut que j'aille acheter des fleurs, les gars. Attendez, ce que je vais faire avant d'y aller, c'est juste que je vais baisser ça, là. J'ai 30 000 runes aussi, je vais peut-être m'acheter des flèches de Radam. Hop. Ouais, je baisse juste ça. Et je vais me TP du coup à l'église.
Hop, pour aller récupérer les flèches. Je savais pas qu'il craignait le sang, ce saligou. Ça fait la quête de Yura pour avoir la larme de cristal purificatrice. Non, 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 j'ai pas fait, Jules. Non, non, j'ai que les larmes de départ, du jeu. Tu sais, j'ai que la larme de... Qu'est-ce que j'ai dans ma fiole, d'ailleurs? Équipement, fais voir. J'ai augmente temporairement l'endu max, augmente temporairement la puissance des attaques chargées. Donc c'est un peu nul. C'est vraiment un peu nul. Hein. Est-ce que j'irai pas tuer un gars de l'arbre monde aussi pour augmenter mes dégâts de DPS? Allez, tue-moi. Ah! C'est vrai que j'ai des runes. Bon, je les récupérerai du coup. On va finir par t'écrire une fanfiction avec Malenia vu le temps que vous passez ensemble, j'avoue. Crowshade. T'arrives d'où d'ailleurs, Crowshade? De Twitch ou de YouTube? Parce que j'ai vu ton follow tout à l'heure et c'était il y a 12 minutes. Donc je me dis que t'arrives... si tu dis que je passe du temps avec Malenia, ça veut dire que toi t'arrives des runs peut-être sur YouTube, des rediff YouTube. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi. Exclamation Discord si jamais ça vous dit. On est nombreux dessus, on est 300. Et vu que le monde appelle le monde, je vous invite à rejoindre le Discord. Point d'exclamation Discord. Et merci Jet pour ton follow. Mais tu followais déjà, non, Jet? Ou c'est moi? Tu followais pas? Je croyais. Non, non, c'est si, tu followais. Misclick, c'est le misclick. Je suis pas trop sur Twitch normalement, mais j'aime beaucoup l'ambiance de tes lives. Écoute, merci beaucoup. Des fois, je m'énerve, mais c'est pas contre vous, faut le savoir. C'est juste que je m'en veux de pas vous faire le spectacle que vous méritez. Bon, 222 flèches de sang, ça devrait aller. Je vais juste récupérer mes runes pour pouvoir level up, pour pouvoir acheter des flèches de radon, pardon. Ok. J'en ai récupéré 3 au passage. Et là, je peux me TP, triangle, carré, croix. Voilà. En fait, moi, je me dis peut-être que pour battre Mog, il faudrait que j'améliore un petit peu mon arc grand, qui est level 18. Mais j'ai pas ce qu'il faut comme pierre, en fait. Alors, équipement, voyons voir, hop, on va acheter 37 flèches de radin. Je vais quand même regarder au forgeron si j'ai ce qu'il faut. Tu nous régales même si tu meurs. Ouais, putain, combien de morts là? Je vois pas le compteur, malheureusement. Rainbow, c'est soit il est ultra zen, soit il s'énerve, il met un coup de boule. Un bon zé, il se défenestre. Non, c'est dur de rester calme. Alors, Grand Arc, il me faudrait ouais, des pierres de forge 7, mais j'en ai pas. Il y en a dans la neige, je crois. Allez, on retourne voir Mog, un dernier coup. Ok, et après, géant de feu, et puis après, on verra. 169, ok, merci Jules. Bon, on va essayer de passer la 170. Hein. Je prends un arc runique hein, avant d'y aller. Attendez, je vais juste voir si l'ascenseur est baissé. Ça s'est bien passé, ouais, très très bien, Farmington. Alors, voyons voir. Équipement. Inventaire, pardon. Ça, j'utilise. Ok. J'ai bien le bon arc. Hein. Ouais, c'est bon, j'ai le bon arc. Je le mets à deux mains. Là, j'y vais. Je bois ma fiole. Ok. Fais ça. Je prends ma fiole de soin. Hop. Voilà. Je me mets en retrait, j'attends que la mimique tape. Voilà, franchement, je suis deg d'avoir pris ce dégât. Déjà, il me l'a mis là. Il me l'a déjà mis, Mog. La musique, elle est folle, ouais. Ce boss, c'est une masterclass. De tout. Je prends les fioles de soin. Je me soigne.
soigne. Et je me soigne. Ok. J'ai deux fioles de soins. Oh putain. T'es en train de prendre, bien sûr. Ça passait là. Ça passait. Bien sûr, tu prends la moindre fiole que j'ai pris, le mec, il s'est dirigé sur moi instantanément. Dommage, franchement, ciblage. Ouais, ça passait. Franchement, ça passait. La mimique, elle allait bien, enfin, tu vois. Donc là, il faut qu'elle prenne juste l'aggro au départ. Salut Nurnen, comment ça va? Plus trop dans les choux, Nurnen, c'est bon. Oh putain! Oh ouais, qu'est-ce qu'on lui a mis là? Déjà? Allez, géant de feu. Ça va bien. Je suis en train d'essayer de trouver les titres de mes plus futurs VOD YouTube. Je me fais défoncer pendant 2 heures par le géant de feu. Je me fais défoncer pendant 2 heures par Mog. 2 heures de défenestration avec le chat. Se défenestrer, c'est la clé. Ouais, j'en chie là. J'en chie grave. Bon, j'irai farmer comme un gros porc. J'ai pas vu, t'as réussi à battre le géant de feu? Non, pas du tout, Antonin. Non, non, justement, j'y retourne. Parce que je suis une grosse merde. Alors attends, pour le géant de feu, c'est pas ça. C'est ça qu'il faut. Hop. Se défenestrer, c'est la clé. C'est vraiment la clé. Le géant de feu trop torride entre nous. Est-ce que j'invoque la mimique avec le sang ou avec Radan? Je pense Radan, c'est le mieux. Yep. Allez. Go. Putain. Ok. Je sais pourquoi. Et un one shot. Est-ce qu'on se met... Ouais, ouais. Franchement, c'est waouh. Je m'approche pour pouvoir invoquer la mimique Sakura en début de game. Si je m'approche pas, en fait, il m'explose avec son avalanche. Masterclass, ouais. Franchement, je pensais pas qu'il pouvait one-shot. Titre Mog me fait saigner du nez, ouais. Saigner du cul. Franchement, je pensais pas mourir comme ça. C'est possible, ça, du coup. Regardez, là, faut sauter, en fait. Voilà. Pour ça que je m'avance. Après, du coup, je vais dans ses jambes, tu vois, Sakura. Et là, clac, j'invoque ma mimique. Sinon, j'ai pas le temps où il me dégomme. Là, je reprends un coup de vie et là, je m'éloigne, tu vois. Voilà. Et là, je suis éloigné. Mais ma mimique est invoquée. Ouais, super. On se régale là, non? Vous trouvez pas? C'est aussi pour ça que je vais dans ses pieds, parce que vu qu'il a une énorme assiette, je sais pas si vous avez fait gaffe, hein, qu'il a une énorme assiette dans les mains. Et du coup, ouais, il me dégomme quand je suis à distance, en fait. Puisqu'il a une portée de malade, vu que son nom, c'est Géant. Géant de merde, ouais. Géant de ses morts. J'essaie de lui péter le pied. Donc ça, c'est cool, après, il fera du feu. Vous trouvez pas ça trop bien? Que
30 flèches de radon, c'est ça qui fait chier. J'essaie de me mettre là. Ah, j'ai pas assez de magie, merde. Voilà. Salut Elsa, 92, ça va Elsa? Bonsoir à toi. Je suis de trop bonne humeur. Dernier try. Je le dis, dernier try. Elle ne prend pas autant de dégâts que toi. Non, c'est vrai. Elle est plus forte, pour le coup. Géant de merde, ouais. Salut, Stackman. Des bisous, Stackman. Je sais pas si tu restes ou si tu n'en restes pas, mais... Salut, Stackman. Géant de... mort. Va voir chez Plumeau si j'y suis. Géant de ses morts. Géant de ses morts. T'as ta flèche dans le pied. Trop tard, ben. J'arrête. Je vais arrêter. Je vais arrêter, faut faire un truc. Dire salut Schneckman avec cette voix, c'est juste trop fort. Je peux le faire avec tout le monde. Salut Mikuyanski! Salut Schneckman! Salut Jet! Salut Farmington! Schneckman! Avec ses gros ongles incarnés, il rend fou, je suis d'accord. Dernier try, je le dis. Salut Asmalia! C'est bien de ne pas avoir de frame d'invincibilité, vous trouvez pas? Franchement, je trouve ça chouette, moi. Est-ce qu'on se ferait pas exploser en un coup? Est-ce que ça serait pas mieux, quand même? Se faire défoncer en un seul coup. Ah ouais. Ah, ça me manquait, l'avalanche. Putain d'avalanche de ces morts de merde. Je suis pas du tout énervé. Quand je dis ça, c'est parce que je suis content. J'aimerais bien me faire défoncer encore un petit peu plus par le géant de feu. Parce que je trouve que vraiment, c'est pas assez. Ah ouais, j'aimerais tellement qu'il ait plus de portée avec son plat à tarte. De gros bâtard de ses morts. Ah ouais, ah vas-y, c'est encore mieux. Je suis tellement content de ne plus avoir de fiole de vie pour la P2. Vraiment. J'adore rester à distance et me faire dégommer à 750 km du géant de feu. Parce que vraiment, c'est pas du tout un gros cono. Je rebois un petit coup. Voilà, comme ça, je suis sûr de plus avoir de fiole. Et que ma mimique crève, surtout. Ça, c'est l'objectif. Il faut vraiment qu'elle claque. Et bisous, Lilou. Bonne soirée à toi. Voilà. Si tu pouvais mourir, la mimique, s'il te plaît. Ah ouais. Ah ouais. Ah là, vraiment, je trouve que ça se passe super bien. J'ai balancé 750 milliards de flèches dans son putain de tibia de ses morts. Voilà. Voilà, c'est bien, il a perdu 5 de vie. Vous trouvez pas ça cool? On tente de faire un peu de saignement quand même, hein? Voilà. Moi, j'ai plus de soins, hein, dans tous les cas. Parce que c'est un jeu super. Ok, Lilou. Je dirai bonsoir. Quand j'aurai fini de me faire exploser la gueule par le géant de feu. À 755 km de lui. Prochain virage. Tournez à droite pour vous faire défoncer par le géant de feu, surtout. C'est un jeu pour les bébés, bien sûr.
Tu es omniscient, Alastor. Omniscient. Je vais rester là, dans ce caillou. Voilà. Je suis une grosse daube. De toute façon, je peux plus me soigner, j'ai plus de magie dans tous les cas. Ok. Ah, vas-y, t'as. Quel plaisir. Et ouais. Et ouais. Voilà. C'est comme ça. C'est ainsi que se termine cette VOD. Des bisous YouTube. Les gros mots, ça paye. Ciao.